le parc national de Yellowstone dispose de 5 entrées. L'entrée est, près de la rivière Shoshone, dans la vallée du Wapiti, se situe à environ 80 km de Cody, dans le Wyoming. En raison des conditions météorologiques, l'entrée est du parc de Yellowstone n'est ouverte que de mai à novembre. Les sommets majestueux de la chaîne Absaroka se dressent au loin. Ils font partie des montagnes rocheuses. Créé en 1872, Yellowstone est le plus ancien parc national du monde. Il accueille aujourd'hui plus de 3 millions de visiteurs par an. On accède à l'est du parc par le col de Sylvan, entretenu pour permettre les déplacements en motoneige ou en autoneige l'hiver. Il doit son nom au lac qui borde la route. Alors que nous survolons le col, nous arrivons au lac Yellowstone, la plus importante étendue d'eau du parc. Son bassin fait partie de l'immense caldeira de Yellowstone, formée il y a plus de 600 000 ans par des éruptions volcaniques. Yellowstone est un habitat privilégié pour une soixantaine d'espèces de mammifères. Les wapitis sont les grands mammifères les plus répandus dans le parc. La rivière Yellowstone rejoint le lac à son extrémité nord. Un pont enjambe cette jonction, qui est une zone de reproduction pour les truites fardées, un poisson indigène. La rivière Yellowstone est l'un des principaux affluents du Missouri. Elle longe les montagnes rocheuses sur près de 1100 km. À l'intérieur du parc, la rivière sert de base de loisirs, notamment pour la pêche. Lors de leur expédition dans l'Ouest américain au début du 19e siècle, les explorateurs Lewis et Clark sont les premiers à parler de Yellowstone, ou pierre jaune, pour désigner ce site. Ce surnom leur est venu à l'esprit en raison de la couleur jaune des falaises du Grand Canyon. La zone du volcan Mud est située plus au nord. Ces formations sont dues à une excrétion de fer et d'hydrogène sulfuré qui produit une couleur gris foncé et une odeur d'œuf pourri. Dans la vallée de Hayden, se forment les premiers rapides de la rivière Yellowstone qui entame sa descente vers le Grand Canyon. La rivière commence par tomber en cascade au niveau des Upper Falls, les hautes chutes, qui atteignent 33 mètres de haut. La vue est spectaculaire le long des sentiers de part et d'autre du canyon. Ces chutes sont un autre exemple de la manière dont des phénomènes volcaniques ont modelé le paysage de Yellowstone il y a 600 000 ans. Les hautes chutes se sont formées au point de contact entre une coulée de lave dure et une coulée de lave plus tendre. En 1871, l'Américain Ferdinand Hayden, qui a donné son nom à la vallée, organise des recherches géologiques dans la région encore inexplorée de Yellowstone. Le photographe William Henry Jackson et l'artiste Thomas Moran participent également à l'expédition. Leurs photographies et leurs peintures des chutes piquent la curiosité des Américains et poussent le Congrès à créer le parc national un an plus tard. La rivière Yellowstone continue de couler sur 500 mètres avant de faire un plongeon encore plus vertigineux dans le Grand Canyon. Les Lower Falls, ou basses chutes, tombent de 94 mètres. C'est la plus haute cascade du parc. À titre de comparaison, les chutes du Niagara culminent à 57 mètres. Ce point de vue a été immortalisé par Thomas Moran dans l'un de ses tableaux, qui est aujourd'hui exposé à la Maison Blanche. Au milieu du 19e siècle, ces chutes majestueuses fascinent les explorateurs. Des journaux publient des articles décrivant une cascade de plusieurs centaines de mètres de haut et évoquant le plus bel endroit du monde.
itinéraire partant de Grand Loop Road offre une vue imprenable sur le canyon. D'autres plateformes panoramiques permettent aux visiteurs d'aller tout au bord des chutes et de presque toucher du doigt ces puissantes cascades. Environ 10 000 ans après les éruptions volcaniques de Yellowstone, des coulées de lave ont rempli la région. L'une d'elles a laissé un bassin thermal formé par la vapeur chaude et les gaz qui avaient modifié et fragilisé la lave. D'autres coulées ont fait déborder des lacs qui ont à leur tour façonné le canyon de Yellowstone. Yellowstone abrite plusieurs grandes vallées ouvertes, comme la vallée de Lamar, dans le nord-est du parc. Les randonnées à cheval sont un bon moyen de découvrir le parc. Les circuits peuvent durer jusqu'à 10 jours, ce qui permet aux visiteurs de s'aventurer dans le cœur sauvage et paisible de Yellowstone. La vallée de Lamar est la zone la plus reculée du parc. Elle s'étend sur près de 10 km depuis l'embouchure de la rivière, juste en aval du Grand Canyon. C'est le territoire des loups et des cerfs. Les superbes paysages de cette vallée ont également servi de toile de fond à un projet de sauvegarde de grande envergure, la réintroduction du bison américain. En 1903, le parc comptait moins d'une cinquantaine de bisons. Un siècle plus tard, ils sont environ 4000. Les bisons du parc de Yellowstone sont parmi les quatre troupeaux d'Amérique du Nord à vivre en liberté et à être génétiquement purs. À 27 km au nord du canyon, un petit ruisseau part de la rivière Yellowstone et coule vers le sud jusqu'à la troisième cascade remarquable du parc, Tower Fall, de 40 mètres de haut. Elle doit son nom aux roches volcaniques en forme de tour qui l'abordent. Une plateforme panoramique permet de profiter d'une vue époustouflante sur la gorge.